Et on relance le scénar. Tac 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 tac, go. Ok. Allons-y. Par ici. Donc après le bombardement des Russes de la zone, ils ont attaqué les civils et recherchent des mecs qui, de la résistance. Et on est donc la petite Charente en train de suivre son père. En train de suivre son père. Bouge, Farah! Ne respire pas, c'est du poison! Dépêche-toi, Farah, on est à la maison, Farah! Le gaz va nous tuer, entre vite! Adir! Papa! T'as une bombe! J'ai fermé les fenêtres, comme t'avais dit. C'est bien, ça nous protégera un peu du gaz. Suivez-moi dans la cuisine, tous les deux. Où est maman? Maman ne viendra pas. Désolé, mon garçon. Pourquoi ils font ça, papa? Ils pensent qu'on aide les rebelles. Tiens, prends le masque, d'accord? Farah, elle tient aussi? Tu gardes le tien. Je vais aider ta sœur. Viens. Les téléphones. Si jamais on est séparés. Ok, on va franchir le pont et se mettre à l'abri dans les montagnes. Venez. Et s'ils nous attrapent, papa? Ils vont vous emmener et vous enfermer. Je veux pas partir. Ok. Écoute, je sais. Je te le promets. Reviens. Adir, faut que tu sois courageux pour ta petite sœur, d'accord? Pense à ta maman. Et surtout, sois futé. Voilà, c'est ça la survie. Tu m'as compris? Oui, papa. Écoutez, quand on sera dehors, suivez-moi bien, ok? Non, papa! Adir, vite derrière moi! Il n'y a personne. C'est seulement mes enfants. Pitié! Et il y a le feu derrière. Ah mais t'es que... Moi je suis parti en mode bourrin, je prends les ciseaux, j'ai 2 ans mais je vais dans le palais. Arrête-toi! Tu bouges pas! Bouge pas, compris? Allez, sors de là! Tout va bien! Les méchants sont partis! Allez, sors maintenant! Tu peux te cacher, mais tu vas y passer! Tu peux te cacher! Pas dans le cul! Oh merde!
que ta femme a dans le prix. T'oses me planter, espèce de petite merde. Le général, il aime pas les... Putain de rat. Je t'avais dit que je te couvrais. Tu vas y passer. Tu ferais mieux de te planquer. Je t'ai trouvé, salope. Reviens ici, tu te caches. Ça terrorise. Ah putain. Ah, faut le planter combien de fois, Thomas? Tu sais pas? Ah bah au moins, on a besoin de recommencer à zéro, c'est déjà ça. J'ai déjà peur. Pauvre gamin. Comment tu as un petit zapper? On est ensemble. Ok. On va voir s'il a quelque chose. Voilà. On va prendre son fusil. Il est trop lourd. Suis-moi. On va se cacher grâce au pavot. Allez, viens. C'est quoi un pavot? Papa? Chérie. Il faut que tu te relèves. Je dois vous laisser. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut survivre. Survivre à tout prix. Non, non, c'est jamais. Requis cat in pace. T'arrives pas à attendre le verrou. Non, je vais te soulever. Essaie de forcer la serrure. Tu peux y arriver. Attends, il y a des soldats. C'est l'enfer qu'ils ont dû vivre, les pauvres gamins. Ils ont rien fait. Ils tuent tout ce qu'ils voient.
Non, pauvre chien, non. Ah non, les... Il y a un truc que je supporte pas dans les jeux vidéo, c'est toucher au gamin et toucher au chien. Bon, d'accord, c'est le gamin, c'est un démon millénaire, voilà, c'est différent. Mais on touche pas les chiens, on touche pas les gamins, quoi. C'est de l'éthique, ça. Прочесать местность. Сопротивление? Ничего сложного. Женщины, дети, идут к машинам. Полный комплект. Это все? Par ici. Je vais entendre par des fêtes sans danger. Est-ce que le gars s'est blessé? C'est bon, c'est bon. Suis-moi. J'ai besoin de l'arme. Ça faisait pas le bruit d'une bête. Ça pourrait être un grillon. On est en pleine journée. Les grillons, c'est la nuit. Peut-être qu'ils sont devenus cons à cause du gaz. Peut-être que c'est toi qui es devenu con. Si t'imagines que c'est des grillons. Oh putain, y a une fille. Voilà. Putain. Comment tu me vois? Comment tu m'as vu? Tu te fous de ma gueule, hein? Peut-être qu'ils sont devenus cons à cause du gaz. Peut-être que c'est toi qui es devenu con. J'imagine que c'est des grillons. Je vois rien. Peut-être que c'était rien. Thank you.
gaz. Peut-être que c'est toi qui es devenu con. Si t'imagines que c'est des grilles. Lucas, ah putain, je vais voir si j'avais les buté les tous. Peut-être qu'ils sont devenus cons à cause du gaz. Peut-être que c'est toi qui es devenu con. Si t'imagines que c'est des grillons. Saloperie. Lucas, non, tu pourras pas te cacher éternellement. Tu l'as fait. Tu nous as sauvés. Faut qu'on parte d'ici. Je conduis. Chape-le. Alors c'est vous les deux diablotins qui tuent mes soldats. Parfait. Ah, on se réveille. Bougez pas, je vais vous aider. Où il est? Où il est? Farah. Adir. Farah. Adir. Stop. Adir. Stop. Stop. Où est-ce que t'es parti? C'était Adir. Il a volé le gaz. Désolé, capitaine, je savais pas. Tu savais bien être reproché. T'en fais pas, Farah. On retrouvera. On doit se tirer d'ici. Vite. J'ai toujours détesté suivre les règles. Maintenant, il n'en suit plus aucune. Adir est au nord. Il s'est fait prendre par des combattants d'Al-Qatala. Volontairement ou de force? On ne sait pas. Désolé, Farah. Votre frère est un terroriste. Est un agent américain qui est avec ou aux mains des terroristes. Adir n'a rien contre nous. Il aurait pu tuer tout le monde quand il a volé le gaz, mais il n'en a rien fait. Comment tu le sais? J'y étais, pour l'arrêter. Pourquoi tu m'as rien dit? On pensait que c'était Al-Qatala. On savait pas que c'était lui. Plus maintenant. On va le chercher ce soir. Je viens avec vous. Vous traqueriez votre propre frère? Il n'est plus mon frère. Plus maintenant. Barkov va mettre sa tête à prix. Faut qu'on l'attrape avant lui. Une seule complication, et c'est la guerre avec les Russes. Il suffit de rien compliquer. C'est pas une bonne idée, Farah. On s'occupe des nôtres ici. En général, ça veut dire l'inverse. Pas ici. Je veux Farah avec moi. Pas de discussion. Soit. Vous êtes autorisé à tuer. Chacun de vous. Ok, je vous prie. Nos images confirment qu'Adir était en possession de ce qu'il restait du gaz volé quand il a pris contact avec l'agent le plus brutal d'Al-Qatala. Le boucher. Nos éclaireurs ont suivi leur véhicule jusqu'à un complexe dans les monts Akrus. Il pourrait être la base du loup. Alex et Farah resteront dans les airs en surveillance. Et Bravo 6 mènera l'assaut pour localiser les agents chimiques, récupérer Adir et tuer le loup. On est dans la zone. On va choper ce connard. Leader à 3-1, survolez la zone et attendez les ordres. Mission nocturne. Bien sûr, leader. J'adore les missions nocturnes. Ici, les
Victor 1, j'ai la cible en visuel, j'y serai dans 15 secondes. Bien reçu, Victor 1. M13, nickel. Passez en vision nocturne, c'est à nous de jouer. Tu vas chier les meubles, les gars. Passez en surveillance. Compris, Sineur en surveillance. Tu comprends. Pas même portail bien de feu. Charge en place. On peut passer. On va entrer par la porte. Oh non! T'as arrêté avec les chiens! On vous laisse la porte de gauche, sergent. Pardon, une balle dans le cul. Personne n'est identifié. Mur latéral percé. On passe à l'arrière. 6-3 à la porte arrière. Rez-de-chaussée dégagé. Bien reçu. Je vous rejoins par l'autre côté. Sergent, on devrait couper le courant pour les aveugler. Je coupe le courant. Premier niveau. Avec moi. Restez ici. À vos ordres. Vas-y, Price. Passez en tête. Je monte au premier niveau. Du mouvement. La porte à gauche. C'est dégagé. Un mort, une personne non identifiée. Bien reçu. On arrive pour sécuriser. Faudrait qu'il fasse la tête de Price en tapage opérateur. Pour le multi, je pense que ce serait beaucoup plus kiffant. Pas là, aucune trace de la cible VIP. Bien reçu, Kyle. Rallumez la lumière et inspectez les lieux. Réveil. À toute l'unité, bravo. Regroupez-vous au rez-de-chaussée. Leader à 3-1. Je vous écoute. Les disques et les appareils de stockage dans les sacs, la paperasse dans les cartons. On va pas partir quand même. Négatif, ils veulent parler. Écoutons-les. Calme, hey, relâchez-le. Rendez-moi mon fils. Merci. Ça va aller. Mes hommes vous protégeront. Où est le loup? Le salon était au sous-sol. Shukran, montez la garde. Au salon, allez. À toutes les unités, bravo, retourne au salon de thé pour une deuxième descente. Des tunnels. Ouvrez ça, Kyle. Attrape, Kyle. On dirait bien qu'on a une taupe. À toutes les unités, tunnel dans le bâtiment 2, on entre. Ok, on descend. Je passe devant. Bonne chasse. On sera juste derrière vous.
putain, le... Oh, t'as vu le dos de Alex comme il a dû prendre. Ah, j'ai peur qu'il y ait tort tank parce que sinon, la colonne là, elle est pétée en deux. Écoute-moi, bravo 06, tunnel bouché, comment ça se passe? Plus de contact, on doit se débrouiller. Comme en bon vieux temps. Ouais, sauf qu'on n'est pas seul. On est dans l'antre du loup. Y a des pièges, baisse-toi. Doucement, trouver des voies. C'était toi? Non, ils savent qu'on est là. Encore un piège, attention. Battu. C'est bon. On avance. Piège désamorcé. J'en vois un. Je vais voir à gauche. Sur la gauche. Gauche RS. Je passe. Bon sur la droite. C'est dégagé. Ça sent le combustible. Un piège à combustible, recule! Je l'ai fait. Je crois qu'on peut passer par ici en rampant. Alex, pourquoi est-ce qu'il a amené une fille? Je suis venu te protéger. Non, pas! Pour être pas protégé. Viens avec nous, Adir. Non, c'est trop tard maintenant. Montre-toi et meurs. Sarah, je t'en prie. Les gens sont prêts à soutenir notre combat. Saruhon, yalla, yalla! Non! Je le trouverai! Ah oui! Ah là, là je me suis pris plein la gueule! Mais plein la gueule! Parce qu'il se faut auto-péter, donc je veux dire. Tu peux faire le tour? Maintenant, Alex.
Personne ne mérite attention, de... tombe pas. De finir brûlé. J'ai rien. Bouge pas, j'arrive. Non, poursuis à dire. Je vais me débrouiller pour remonter. Fais attention à toi. Point 06, répondez. À toutes les unités, ici Echo 3-1, je transmets à l'aveugle. La cible est toujours dans les tunnels, je suis sur sa piste. C'est chaud. Ah, merde. L'incendie se propage, pas le temps de traîner. C'était chaud. C'est ton œuvre. Affirmatif. Vous avancez. Mais ce que vous cherchez a déjà. C'est le loup. Juste en face. Passe devant. Il n'y a qu'à moi. Je ne suis qu'un simple patron de la liberté. Un timer, il a une veste. Il n'y a pas d'issue. C'est là. Le compte à rebours continue. On peut la désamorcer. Aide-moi. 20 secondes. Coupe les fils seulement à mon signal. Et surtout pas avant. Ok, prêt. Fil vert. Dans 3, 2, 1, coupe. Merde. 3, 2, 1, coupe, c'est bon. Vas-y. On peut la désamorcer. Coupe les fils seulement à mon signal. Et surtout pas avant. Ok, prêt. Fil vert. Dans 3, 2, 1, coupe. Vert. Ensuite. Jaune. Dans 2, 1, vas-y. Jaune, c'est bon. Pour finir, rouge. Il y a deux rouges. Celui du haut. Dans 2, 1, maintenant. Coupé. C'est fait. Bien joué. C'est grâce à toi. Bravo. Comment tu sais ça ? Des années d'expérience. Trop d'années.
À toutes les unités, ici Echo 3-1, à l'aveugle. C'est bon. Cible principale abattue. Ouh ! C'était chaud. Alex ! Si c'était pas moi, alors autant que ce soit vous. Dommage qu'on puisse pas le tuer deux fois. Bonne chance. C'est du beau boulot. Même si on est tous impatients de trinquer, j'ai bien peur que ce soit trop tôt. Adir et ses nouveaux amis s'activent. Ils sont où ? Une chose à la fois. Qui a dit qu'ils étaient amis ? Le général n'est pas de cet avis. Norris, je vous ai demandé de Hitler, vous... Hitler, Laswell, ou je le ferai. Le commandement a changé le statut des troupes de Pharah. Ça veut dire quoi ? Je comprends rien. Vous pouvez traduire en français ? C'est qu'ils sont sur la liste. Quelle liste ? Organisation terroriste étrangère. Mes marines ont l'ordre de traiter l'armée de Pharah comme hostile. Quoi ? Ce sont nos alliés. Plus maintenant. Vous avez intérêt à tenir vos chiens en laisse, colonel. Ou quoi ? Je vous assure que je vous étranglerai avec. Kate, ces gens ont besoin de notre aide. Nous ne pouvons rien faire de plus. Je refuse de croire ça. J'en ai marre qu'on choisisse mes amis pour moi. Alex, non. Je retourne en Nyosikstan. Je reste avec l'armée de Pharah. Ce que vous faites est illégal. Comme à peu près tout ce qu'on fait, de toute façon. Seulement quand ça compte. Vous avez des amis. Vous aussi. Merci. Pour tout ça. C'est pas encore terminé. Crois-moi. Je te crois. Combien de temps plus tôt, non, ça ? En 10 ans plus tôt. Ah, ils vont raconter comment Pharah a rencontré Mr. Bean. Pharah, debout. Adir, c'est toi ? Oui, laisse-moi te voir. Debout, Pharah. Ça fait combien de temps que t'es à l'isolement ? 10 jours. T'es toute pâle. Sans boire ni manger. Pharah. C'est bon. Je peux gérer ça. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça, tous les deux ? Ils servent de toi. Pour que je craque. Faudra qu'il me tue pour ça. Non, Adir. Il faut que tu vives. Regarde. J'ai pris une clé. Pourquoi ? On va trouver Pharah. Tiens, prends-la. Attrape. C'est bon. Bien. Cache-la. Le général Barkov arrive. Il est au courant pour les messages. Il sait que c'est toi, Karim. On verra. Tiens, une réunion de famille. Très touchant. Tu veux que tout s'arrête ? Dis-moi la vérité. Emmenez-le à l'entrepôt. Faites-le parler. Celle-là, elle est pour moi. Recule. J'ai dit recule ! Ouvre. J'espère que t'as apprécié la petite visite de ton frère. C'était sans doute la dernière. Frère. Silence va te mettre dans le coin. T'es dévoué ? Connard. Ne me regarde pas, Pharah. Bon, tu fais une bataille de regard ? Tourne-toi, j'ai dit. Connard.
Comme je le disais, tu vas bientôt oublier tous tes grands projets d'évasion. Regarde-moi. Il fait une chaleur infernale dans ton toit. Tu dois mourir de soif. T'en veux ? Il n'y en a plus. On va te trouver de l'eau. La porte. Suis-moi. Ne rate pas l'occasion de dire la vérité. Entre. Assieds-toi, Farah. Tu ne peux pas t'échapper, Farah. Personne ne viendra te sauver. C'est moi qui contrôle ta vie. Et je peux la rendre. Mais comme tu dis, Toti, quelle grosse la vie. Bon, qu'est-ce que tu sais sur ce commandant Karim et sur les messages interceptés? T'es têtu, hein. Ton silence va te coûter cher. J'ai été patient jusqu'ici, maintenant c'est fini. Reste consciente et tu pourras revoir ton frère une dernière fois. Il va te donner à boire. Essaie de respirer. Respire, Farah. Tu vas y arriver. C'est ça. Voilà. Ouais, tu t'en sors plutôt bien. Bien. Pour l'instant, ça suffit. Quelle force, Farah. Continue et tu reverras à dire. On y retourne. Qui est Karim? Karim est mort. Tu mens, arrête de le protéger. Et toi avec. J'ai été très patient. Maintenant, c'est fini. J'ai trouvé une de tes sœurs. J'ai pas parlé, Farah. Fais pas, Azadé. Silence. Sa vie dépend de toi, Farah. Reste consciente. Elle vit, sinon, elle meurt. T'as compris? Cette fois, je vais y aller plus fort. Pas par là, Farah. Tu es doué, dis-moi. Tiens-toi tranquille. Encore une bouffée d'air? Essaie de tourner la tête. Cesse de gigoter, Farah. Ça suffit. Assez. Félicitations, Farah. Tu lui as sauvé la vie. Maintenant, dis-moi la vérité. Où elle meurt? J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je veux la vérité. Qui est Karim? Va chier, sale enfoiré! Je t'ai laissé une chance de sauver une vie. Maintenant, je vais te montrer comment on la reprend. Oh non, elle a rien fait! Non, pitié! Non! Nettoyez ça. Qu'est-ce que tu me fais faire? Tu dois avoir faim, Farah. Hmm? Mange. Après, on parle. Allez. Tu crois qu'on est amis? Hein? Tu crois que tu peux me battre? Hein? Fini de jouer! Ton frère a volé une clé qui m'appartient. Elle est où? Vous l'avez perdue? Il en manque une, mais nous avons les autres. Elle ouvre quoi, cette clé? Tu te crois maligne, pas vrai? Karim. Oui, je sais.
Je l'ai toujours su. Et je sais que tu sais. Où se trouve la clé que ton frère Adir m'a volée? Azadeh l'avait. Tu mens, on l'a fouillée, une fouille totale. Ce pays est un vrai vivier de terroristes. Je suis là pour faire régner la loi et l'ordre sur ce pays. Ce n'est pas des terroristes qui m'en empêcheront. Je protégerai la Russie. Silence. Putain, c'est quoi ce bordel? Tuez tous les prisonniers, enfermez-les dans l'entrepôt et mettez le feu. Tu complotes dans l'ombre. Tu te bats pour des miettes. C'est pas trop simple. Faut que je trouve quelque chose. La cuillère, parfait. Bien sûr, ça va me servir. Ça y est. Ok. Bien. Des pierres. Il faut que j'atteigne ces escaliers. Je peux l'utiliser pour escalader. Je vous l'ai dit, visez et tirez jusqu'à ce qu'il tombe. Je vois du mouvement! Bien joué, les sœurs! Barkov a formé les autres dans votre zone.
Trouvons-les avant qu'ils tuent. Beau travail. Vous êtes toutes très courageuses. On s'éclate mieux. Merci, Karim. Maintenant, on y va. Ils se cachent près des caisses. Les soldats. Dépêchons-nous de libérer les autres avant qu'il soit trop tard. Suivez-moi, mes sœurs. Gardez, en haut de la tour. Installez-vous. Ils protègent notre pont. C'est là qu'ils détiennent les prisonniers. On y va. Suivez Karim. Ouais, allez. Regardez, ils couvrent. Suivez-le. Il y a un lance-roquette. Ça, c'est fait. Qui est le commandant Karim? C'est moi, Karim. On a reçu vos messages. Lieutenant John Price. Où putain, on avait dit qu'il louchait. Là-dedans, droit devant. Restez à côté. On y va, les gars. J'en vois deux. De gaz. Il essaie de brûler l'épreuve. Et les prisonniers? On va ouvrir la porte. Reculez! Je peux pas! C'est verrouillé! Débile. Force! Nadir! Continue! Soufflez bien. Rassemblez les gens et le matériel. On s'en va. Allez au nord. Évitez l'autoroute. Bravo 6 à Cobalt 4. Confirmez votre position. 10 minutes. Ok, restez dans le coin. Dépêchez. Barkov va venir récupérer ses morts. Yalla, attends-nous. Oui, Farah. Vous savez qui va vous le faire payer. C'est eux qui vont payer. On sera prêts. Nos hommes ont nettoyé la route au nord. Vous pouvez y camper sans risque. Merci. La révolution commence, ma sœur. C'est la guerre qui commence, mon frère. Il y a guerre et guerre.
Rappelez-vous. Bravo 6, décolle dans 2 minutes. Années de guerre civile. Cette guerre n'a rien de civil. Adir s'est entraîné. Kidnappé ou non, c'est la même chose. Il a livré le gaz en Russie. Oui, mais avec l'aide d'Al-Qatala. Il a le réseau et la main-d'œuvre. On peut pas lui en vouloir, si ? Officieusement, non. Mais ça dépasse Adir maintenant. On a 2 options. Quoi, prévenir Moscou ? Ou laisser la mère patrie prise à son propre piège. Beaucoup d'innocents vont mourir. Aux mains d'un agent occidental. Bon, ok. Allons à l'essentiel. Vous suggérez quoi ? Un petit voyage d'affaires. Autorisé ? Non. Avec qui ? De vieux camarades. Et le sergent ? Il est prêt. Je peux vous faire entrer, mais après, débrouillez-vous. Et aucune arme étrangère. Laissez-moi faire. Une vue magnifique, Nikolai. C'était la capitale avant Moscou. Le bon vieux temps. J'envoie 2 à la porte. 2 soldats à l'intérieur. Véhicule en approche, surveillez-les. La chance. C'est dur de se garer ici. C'est le boucher en jaune. Le fumier de l'ambassade. Pas de gaz. Toi, ni d'Adir. Surveille la ruelle. Je peux la voir. Ça me tente. Non, attends un peu. Le boucher nous mènera à Adir. Où ils libéreront le gaz. Si jamais ça se produit, on est tous foutus. On s'équipe, en vitesse, le temps presse. Par ici. On a combien de temps ? 1 heure maximum. T'as le matériel ? Et la suite, on le fera bien dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.